franchise Diner. En fait, c'est un burger, un établissement qui vend des burgers type années 50 sur une thématique américaine et dans lequel on y retrouve certes des burgers, mais aussi des salades, des bagels, des hot dogs sous différentes formes. Aujourd'hui, il y a deux établissements ouverts à Strasbourg en première couronne et nous avons deux établissements signés en compromis qui devraient ouvrir donc en 2013 en termes de développement en propre. En franchise, on espère 3 à 5 signatures d'ici la fin de l'année. On est ouvert en fait sur toute la France, à la fois en développement en centre-ville, mais également légèrement en périphérie ou en zone commerciale. On est assez ouvert, le concept fait que des gens qui ne seraient pas de profil de restaurateur pourraient aussi s'implanter dans des franchises diners parce qu'on a un savoir-faire à leur transmettre qui leur permettrait de pouvoir appréhender ce métier assez facilement.